Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on commence un peu avant l'heure, pourquoi pas? Après tout, j'étais prêt, donc je me suis dit pourquoi pas commencer quelques minutes avant. Donc bienvenue à tous ceux qui sont là, bienvenue à tous ceux qui sont ah, hop, on enlève l'écho. Bienvenue à tous ceux qui sont sur le live. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un double live. On va commencer par faire un petit peu de Splatfest américain. Sur le festival sauce salsa versus guacamole. Alors, honnêtement, j'aime aucune des deux sauces. J'adore l'avocat, mais j'aime pas la sauce guacamole. Et la sauce salsa, ça a l'air d'être un truc que je connais pas, mais ça a l'air d'être un truc au piment. Et je suis pas trop sauce épicée. Moi, voilà, j'aime pas trop. Donc, j'ai pris vraiment la sauce salsa uniquement pour être rouge. Mais techniquement, je n'ai pas d'avis. Donc. De toute manière, c'est pas un Splatfest européen, donc on s'en fiche un peu. Donc j'ai pris comme ça le camp au pif pour être rouge. Enfin, c'est pas au pif du coup, mais au moins j'ai la classe dans ma couleur originelle. Et on va pouvoir faire un petit peu. On va pouvoir faire quelques matchs là-dessus. Histoire de tester un petit peu à nouveau. Comment? Les geysers, vous savez, cette fameuse map de geysers. On va aller en défi. Et puis, on va tester tout ça. Alors, le truc, c'est que hier, pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez sûrement de mon live sur Pokémon Let's Go. On s'est bien marré, enfin, je trouve. J'ai un peu avancé depuis. Et du coup, à la suite de ce live-là, j'enchaînerai tout de suite sur un autre live sur Pokémon Let's Go. Parce que ma journée a été productive. Il y a une vidéo qui est sortie ce matin. J'en ai tourné une autre ce matin qui sortira mercredi. Je fais un live Splatoon maintenant, je ferai un live Pokémon Let's Go après. J'ai pas grand-chose à faire dans mon week-end, donc j'en profite. Et puis, du coup, voilà, c'est l'idée. Est-ce que ça vaut le coup que je mette mon overlay? Je pense pas, hein. On s'en fiche un peu de l'overlay. Ouais, bon, on s'en fiche un peu. Donc, voilà, donc si vous êtes présent aujourd'hui, maintenant, à l'heure actuelle, pour du Splatoon, n'hésitez pas, quand je terminerai ce live-ci, on enchaînera tout de suite. Je couperai le live et je le recommencerai, en gros, le temps de changer la miniature et de refaire une annonce sur Twitter et Discord, mais 3 minutes après, on repartira pour du Pokémon Let's Go. Mais, concentrons-nous un petit peu sur du gameplay. J'ai pris le rouleau, là. Je sais pas si ça va me porter chance. Mais on va tester en tout cas. On va essayer de faire de son mieux. Pour une fois, la couleur rouge est pas trop mal, hein. Honnêtement. Elle est très foncée dans les menus. Si vous regardez les petites icônes en haut à gauche là, de nos personnages, c'est très très foncé. Mais. Mais en vrai, voilà, c'est. Je vais mourir. C'est foncé, mais la couleur sur le terrain, elle est un peu moins, donc ça passe. Bon, alors, ici, là, le nettoyeur, il va m'embêter un peu, parce qu'il est bien placé, il a la bonne portée pour faire chier tout le monde au centre. Donc, il va falloir le déloger. Pour pas qu'il... Ah bah, il est mort. On va en profiter pour charger un petit spécial, avant de réattaquer. Alors, ça vient déjà chez nous. Il y a une balise, non? Il a mis une balise. J'ai entendu, il y a quelqu'un qui... Ouais, c'est ça. Bon, là, je me fais rect. Je vais mourir. Ouais, bon. Ils sont chiants avec leur portée, pour le coup. Parce que nous, on en a vraiment pas dans notre équipe. Eux, ils ont deux armes à longue distance. Bon, on va tester ça. Je suis mort. C'était pas du tout la bonne idée. Tant pis. On va retenter. Mais là, on a vraiment pas le bon. Eux, ils ont vraiment ce qu'il faut en termes de portée. Nous, on a que dalle. Hein. On est vraiment mal lotis à ce niveau-là. Ok. On va aller chez eux. On en profite tant qu'ils sont pas là. Histoire de charger peut-être un spécial chez eux. Oh là là, mais. Ah oui! Alors, faut savoir que ça risque de laguer un peu parce que c'est un Splatfest américain, donc nécessairement. Nécessairement, les gens sont aux États-Unis. Moi, j'ai moi-même trafiqué ma connexion avec un VPN
pour que mon le jeu ait l'impression que je sois aux États-Unis aussi. Alors, on va aller par là. What? Aïe, 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 aïe. Mais du coup, évidemment, il y a un peu de lag. Le tout, c'est de le prendre en compte. Mais ce sera pas facile. Faut arriver à reprendre, là. Lui, voilà, c'est pour tout ce qu'il nous a fait subir durant ce match. C'était pas le seul, hein, mais... Bon, je pense qu'on a, on a plutôt bien repris, là, sur la fin. Ouais, on devrait gagner quand même avec ça. Bon alors, du coup, je le redis, j'en profite parce que là, je vois qu'il y a le pic de vue qui est à peu près maintenant. Si vous arrivez sur ce live, bienvenue à vous. On va partir sur une petite heure, de Splatoon en Splatfest américain. Et on enchaînera ensuite sur du Pokémon Let's Go vers 15h, voilà. Je le redis parce que, en fait, je me rends compte que si je le dis trop tôt dans le live, vu que tout le monde n'est pas encore arrivé, bah, tout le monde ne le sait pas. Mais voilà, pour ceux qui arrivent, sachez qu'on enchaînera sur du Pokémon Let's Go pour faire un peu la suite d'hier. Sachant que entre hier et maintenant, j'ai un peu continué l'aventure tout seul de mon côté. Vous aurez... Parce que je fais pas un let's play complet, quoi. Je ne fais que des petites parties en live. L'idée, c'est pas de que vous ayez toute l'aventure. Si vous voulez toute l'aventure, eh bien, allez voir d'autres lives du style Alliance Rainbow, par exemple. Voilà. Mais voilà, pour ce qui est un live Pokémon Let's Go de temps en temps, un petit peu pour voir l'évolution, etc. Là, par exemple, bah, je peux vous dire que j'ai obtenu le deuxième badge, par exemple. Hors live. Ah, une console qui n'arrive pas. Donc j'ai un peu avancé. Bon, allez, on retente. Alors, le thème du Splatfest européen a été annoncé, effectivement. J'en parle de toute manière dans ma vidéo qui sortira mercredi, parce que c'est une vidéo de Splat News, comme on dit. Une vidéo où je traite de l'actualité de l'univers de Splatoon 2, depuis les quelques semaines dernières, pour lesquelles il y a eu des avancées, des nouveautés, des sorties, des machins. Donc j'en parle de toute manière, mais effectivement, il y a un Splatfest européen qui a été annoncé la semaine prochaine. On peut déjà choisir son camp, hein, d'ailleurs, hein, dans le jeu. Et en plus, mon live Pokémon est drôle, d'après Myrlis, voilà. Bah merci Myrlis. C'est vrai qu'on s'est bien marré. J'espère que j'aurai encore de la voix. Parce que depuis ce matin, je tourne une vidéo, je me suis enregistré, j'ai beaucoup parlé. La vidéo dure... Oula. La vidéo dure 10 minutes. 10 minutes de blabla. Parce que c'est de l'actu facecam, comme je peux le faire. Mais, du coup, c'est beaucoup de blabla, et... bah, moi, c'est... J'aurais pu dire joli. Mais du coup, ça use la voix de parler beaucoup. Parce que quand on tourne une vidéo de 10 minutes, c'est pas 10 minutes de parole, en vrai. Hein. C'est l'enregistrement, et il m'a duré une heure. Presque une heure. Après, il y a le montage. Ah, je l'ai pas eu, il avait une armure. Dommage. C'était bien tenté. Mais bref, j'ai ma voix déjà qui est un peu usée. Là, je vais essayer de parler aussi un peu dans mon live, normalement. Du coup, ça va continuer. Et puis, Pokémon. Pas mal de blabla dans Pokémon. On se barre par là. Hop là. Pendant que celui qui faisait le guet. Ah. Allez, je me barre. Je suis chez vous. Ne faites pas gaffe. What? What? Ne faites pas gaffe à moi. Ça c'est... On est grillé là. Ouais, malheureusement en face... Il cherche pas trop la confrontation là, le rouleau. Du coup, tant mieux. On va essayer de déloger le... La moto là. Ah
Bien joué ça. J'active le panic button. Oh, aïe 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 aïe, je l'avais pas vu celui-là, il m'a fait peur. Je m'apprêtais à sauter sur l'extincteur, mais lui il m'a défoncé. Bon, c'est le moment de reprendre, hein. 30 dernières secondes. Roule ma poule. Heureusement qu'il y avait le mur parce qu'il s'est fait coincer du coup. What? Aïe 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 aïe, ils sont partout, ils sont partout, ils sont bien meilleurs que nous, hein. On est tous morts. Ah non, il en reste un. Ah, c'est serré là, hein. On va foncer là-bas, mais honnêtement, j'y crois pas. Bon, écoutez, on aura fait de notre mieux. On a un peu merdé sur pas mal de points. Et c'est assez serré. Ouais, bon, 1%. Dommage, dommage, dommage. Enfin bref. Alors, est-ce que je vérifie que toutes les annonces soient bien passées. Hop, je valide, je retweet certains trucs. Ah bah l'Alliance Rainbow ils vont faire un live en même temps que moi. Dieu. Ils vont faire un live à 15h, bon, bah, comme ça vous aurez le choix. Ok, alors, agent 0, Link BR, Davian. On a un power. Ah bah non, je me disais, c'est marrant, il y avait écrit 2010, je pensais que c'était le power, mais pas du tout, c'est la contribution. Autant dire que c'est pas très élevé encore, mais parce qu'on est au début. Du coup, effectivement, Mialis, j'ai le bouton maintenant rejoindre. Alors, je sais pas si tu fais mention de ma chaîne principale ou ma chaîne secondaire. En tout cas, ma chaîne principale maintenant a le bouton rejoindre. Bon, là, on est sur ma chaîne secondaire, hein, si j'ai pas de bêtises, mais. Donc, ça, c'est pas grave, mais. Maintenant, n'importe qui peut cliquer sur rejoindre en dessous d'une vidéo pour devenir. Membre VIP, entre guillemets. Pour 5€ par mois. Et avoir des contributions. Comme je l'ai annoncé sur Discord, mais c'est. Peut-être que j'ai intérêt à le réannoncer, je le. Je sais pas. Bon, ça sert à rien que je l'annonce maintenant de toute manière parce que y a pas. Vous êtes quoi? 70, 80 à peu près sur ce live. Donc j'annoncerai peut-être plus sur ma chaîne principale un jour. De toute manière, j'ai mentionné le fait qu'il y avait un bouton rejoindre dans la vidéo qui sortira mercredi. Oula. Donc, effectivement, c'est une chose à savoir. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord, il se déco. Le dynamo, c'est qu'en face, il a déco. J'étais en train de me dire pourquoi il ne fait rien. Bonjour. Bonjour. Bonjour encore. Ah, ah. On va aller le chercher, tiens. Ah, il fait chier avec ses murs d'encre, lui. Je vais mourir. Bah ouais, je me suis pris deux coups de mur d'encre. Tout à fait bêtement. Alors, on va se taper là-bas, lui. Ouais, il a l'air relativement seul. On peut le tirer là? Ah, bon, je le voulais, mais.
Alors. Le problème, c'est le snipe qui... What the fuck. J'ai rien pu faire. le snipe qui peut viser le centre très facilement. Alors que moi, je suis à la courte portée. Je pense que c'est le seul qui joue bien, en fait, le snipe dans l'équipe, là. Enfin bien, mieux que les autres quoi. Évidemment, les autres savent se défendre. Ils sont pas mauvais. Bon, je pense qu'on s'en sort. Ouais, le Splatfest de Noël, on sait pas encore le thème du truc. Ah non! Putain, on a perdu. Ah ouais, parce qu'ils sont allés chez nous sur la fin. Bah ouais, d'accord. Ils étaient 3 hein, pourtant. Oh, on est pas bon. On est pas bon. Peut-être pas que je prenne le rouleau. Mais je sais pas, j'ai envie de jouer au rouleau aujourd'hui. Allez, on continue. J'espère qu'on va tomber sur la plateforme polymorphe quand même, parce que... ce serait sympa. On verra, on verra. Est-ce qu'on va croiser des gens? Ce serait pas mal. On est des petits niveaux là, hein. Ça explique pourquoi on se fait reprendre sur la fin bêtement. Potentiellement... potentiellement on est pas très bon. Un ami à moi est allé dans les données du jeu et on a trouvé... un bassineur chic et une énorme mise à jour pour décembre. Eh bien écoute... peut-être. Peut-être. Mais sans preuve, je ne crois pas. Je ne crois rien, moi. Donc si c'est vrai, t'as qu'à montrer une preuve. Trop souvent, depuis que je fais de l'actu sur Splatoon et que je traite un peu de hacks, de glitch, etc. Beaucoup, beaucoup de gens, j'ai croisé beaucoup de gens qui disaient « j'ai trouvé ça dans le jeu ». J'ai un ami qui m'a dit que, etc. Et c'était faux. Beaucoup trop de fois, c'était faux. Donc bon, bah, les gens veulent être célèbres, veulent me faire croire des trucs. C'est à moi ou à d'autres, hein. Je dis pas que c'est toi le fautif, ça se trouve c'est ton pote qui ment, hein. J'en sais rien. Ça se trouve il a raison, mais... De fait, vu que ça m'est arrivé beaucoup, beaucoup de fois... Maintenant, je ne crois plus rien sans avoir de preuves visuelles. Aïe. Et maintenant, j'ai la chance d'être relativement bien informé par Twitter, et j'ai quelques contacts dans le monde du hack, disons, à qui je sais poser des questions quand j'en ai. Du coup, c'est relativement facile pour moi de savoir si une news est vraie ou pas. Donc je dis pas que ce que dit notre ami, comment il s'appelait, InkFR, est faux.
Je dis juste que si c'est vrai, j'y croirai quand je verrai une preuve. Ah, il revient, allez viens. Fort bon. Ouais, cette fois-ci, on va pas mourir tous les deux bêtement. Ah, bien joué ça. Excellent. Ouais, parce que du coup, c'est la version canadienne, donc c'est en français, mais c'est français-canadien. Donc c'est pas joli. C'est excellent. D'ailleurs, je me demande comment s'appelle le jolisateur dans cette version. L'excellentateur. Je ne sais pas. Oh non, me suis fait des... Après, bassineur chic, ouais, il viendra un jour, ça c'est sûr. Ça, j'ai pas besoin de preuves pour y croire. C'est le grosse mise à jour qui est pas si évident, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, grosse mise à jour? Enfin. Pourquoi ça parle de vote? On a encore perdu, c'est pas croyable. Qui sont ces nuls? Qui sont ces nuls avec moi? Bon. Pour qu'ils veulent croire un truc, il faut faire un don. Exactement, voilà. Tu fais un don. Si tu fais un don, je te crois. Ça, y a pas de souci. Eh là là. Un Splatfest Flink You versus Miralis. Ah là, je participe pas, je boycotte. Ah là là, bon. C'est marrant, on a toujours une contribution de 2100, je sais pas pourquoi. Ah, Miralis fait un don, le Père Noël existe. Ouais, évidemment, évidemment que le Père Noël existe. Je vois même pas pourquoi tu... Pourquoi tu doutes de ça? Merci pour ton don. Ah, enfin, allez. Bon, alors, on va essayer de foncer au centre avec les... On a trois rouleaux? Mais non, mais c'est quoi cette compo de merde? Wow! Oh oh. Hop là, ça c'est à nous. Hop là, on va chez eux. Ça, ça s'ancre pas j'imagine, donc ça sert à rien, je peux pas aller plus loin comme ça. Mais je peux déjà rester là. Hop là. Ne faites pas gaffe à moi, je ne fais que passer. Comme ça, on est bien là, parce que personne peut m'atteindre. Enfin, personne peut m'atteindre. Si, bien sûr. Là, je mets, hop, je vais chercher cela là-bas. Non mais ouais, tu te crois où là? Dis donc. Hop, on va chercher celui là-bas. Alors, lui, on peut ancrer là? Ouais. Oh ouf. Je sais pas pourquoi la bombe, je la pensais pas de la couleur jaune, enfin jaune verdâtre, qui est un peu moche d'ailleurs, hein, on remarquera. D'ailleurs la couleur du prochain Splatfest risque d'être assez similaire à celui-là. Et je trouve ça, autant le rouge j'aime beaucoup, autant le jaune...
C'est pas beau, hein. Guacamole, je comprends, mais pour le thème du Splatfest suivant, franchement, ils auraient pu mettre complètement autre chose, quoi. Voilà, on allume ça. Merde. Oh non. Oh oui. Oh là là, je fais n'importe quoi, mais c'est... Oh, franchement, je me tape tellement des barres quand je participe au Splatfest, justement, rien qu'à cause de la plateforme polymorphe qui est de... À chaque fois, je trouve que c'est de mieux en mieux, tu vois. C'est toujours... Enfin, de mieux en mieux, peut-être pas, mais... En tout cas, depuis quelques temps, on a des plateformes polymorphes qui sont vraiment intéressantes, avec vraiment des trucs sympas, pas juste des lignes d'encre un peu pourries, quoi. Donc c'est vraiment cool. Lui, on va le... Hop là. Et je trouve ça vraiment sympa, ça fait des parties très très cool et qui changent beaucoup de... Qui changent beaucoup de... De map classique, quoi. Donc, j'aime. Et quand on aime, vous savez ce qu'on fait? On met des pouces bleus. Alors, il y a effectivement la preuve, on m'a montré la preuve vidéo. Enfin, vidéo, la preuve photo d'un bassineur. Très bien, j'y crois. Mais et ça, j'y crois, j'y croyais déjà, parce que ça avait déjà été annoncé hein, qu'il allait sortir un jour. Mais moi, ce dont je doutais, c'est pas ça, hein, c'était le reste, c'était la grosse mise à jour. Parce que pour le coup, c'est difficile de savoir ce qu'ils vont annoncer après. Alors j'ai mes cartouches de Nintendo Switch qui traînent de partout, faudrait que je les range parce qu'un coup de patte de chat et c'est perdu à jamais. Du coup, je vais les ranger. Bon, j'espère qu'on va retomber sur la plateforme polymorphe et qu'on va pas attendre une heure avant de tomber dessus. Hop là. Allez, c'est parti. Il y a quelqu'un en face. Ouais, ouais. En fait, quand on arrive ici, faut écouter le bruit, parce qu'il y a toujours un mec. Là, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un qui peignait de l'autre côté. Et du coup, bah après, faut timer... timer le bon moment pour le rect. Mais ça se fait à l'oreille. Surtout. Ok, bon, il a pas l'air d'être là à nouveau. On va charger un spécial du coup. Et si on faisait ça? Excusez-moi, c'est mes pulsions qui remontent. Mon côté un petit peu psychopathe qui... Je vous demande pardon. Allez, c'est bon. Ce match-là, je veux le gagner. Hein. Je vous assure, il y a un mec là. Merde, il va me voir. Eh ouais, eh ouais. Eh ouais. Ah ouais, ça va pas. Ah, il m'a grillé. Et il est remonté. Ah, il a bien joué là. Il joue bien lui, dis donc. Le petit fourbe. Bon. Allez, ça va.
Bon, on s'en sort pas, hein. Putain, mec, chez nous. Oh non, non. Il me faut des incrémenteurs secondaires avec ce truc, hein. Avec mes comptes secondaires, je joue beaucoup aux bombes et. De manière générale, et sur. Du coup, en splatfest, je galère parce que j'ai pas mes. J'ai pas mon stuff, et en. Sur mes comptes secondaires, c'est encore pire. Alors. Il va me lancer à la tronche. Ouais. On va perdre encore, hein. Je suis pas fier de nous. Bon, eh bien, je crois qu'on a perdu. Ah, pas sûr. Pouh, on a gagné. Bon. Tant mieux, tant mieux. Alors, on va continuer. Encore une petite demi-heure, hein. Prends une arme K. Bon, allez, on va prendre une arme K. Mais j'en ai pas, faut que j'aille les acheter, je crois. On peut prendre le liquidateur K. Le junior. De toute manière, je pense que, vu mon niveau, je peux pas en acheter des masses, des armes K, là. Je peux acheter celui-là. Donc lui, on va le mettre. Arme K, c'est pas très intéressant celui-là. Et puis après, bah voilà. Et oui. Et puis voilà, c'est tout. Je sais pas si j'en ai pas déjà une, mais en tout cas, les dernières, je les ai pas, quoi. Parce que j'ai pas le niveau... mon personnage, là, c'est un perso secondaire. Hein. Je travaille jamais. Je joue uniquement quand je suis en festival américain. Donc autant vous dire que c'est pas tous les jours. Hein. J'ai pas l'argent et j'ai surtout pas le level. C'est surtout ça. Bon, mais tant pis, on va jouer un peu avec ça. J'aurais peut-être dû changer d'équipement, mais bon, on changera au prochain match. On verra après, on verra après. Alors... On doit augmenter en power parce que maintenant les gens sont plus niveau 20 avec nous. Donc tant mieux. On doit avoir un power pas loin de 2000, je pense. On met du temps à... Ah mais, c'est mon téléphone qui fait n'importe quoi. On met du temps à croiser des gens. Comment ça se fait? Allez, c'est parti. 1830. Ah non, on a peut-être pas 2000 en fait. Alors, faut que je joue comme un liquidateur. Alors, on va regarder au son. Là, j'entends rien, tiens. Bon, il y avait personne, c'est normal. Oula, oula, dis donc, Germaine, là. Calme-toi. On va le faire chier avec ça.
Hop là. Petit combo sympathique. Alors, on va remonter là-haut. Hop. Ah, les parents que je les déteste. Je les déteste. Oh là là. What? Il passe à travers mes balles. Oh là là. Ça se passe pas bien. Du tout. Non mais où? Malotru. Alors lui. Non! Merde. Je sais pas les jouer encore ces trucs là. Aïe 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 aïe. Lui c'est le pire hein. Cameron. Je me fais victimiser, mais comme pas possible. En fait, j'aime pas, hein, j'aime pas le ce truc torpille. Hein. Je trouve ça vraiment pas top. Le fait que tu puisses pas les spammer, c'est vraiment chiant. Mais bon, on a pas le choix. Ah! Mais ce mec, c'est le démon incarné! Tuez-le, quoi. Tuez-le. Le problème, c'est que dès que je fais des bonnes actions, en fait. Ah, aïe, aïe, ce lag, ça m'énerve, ça m'énerve. Dès que je fais des bonnes actions, en fait, on se fait reprendre par derrière parce que les gens avec moi sont nuls. Donc, soit je prends une arme avec laquelle je suis vraiment fort et je peux faire plein de kills. Soit ce sera la misère tout le long quoi. Et même quand je fais 8 kills, bon là, on marque qu'ils ont fait 8 kills aussi en face donc. Mais bon, ils sont mauvais là à prendre des épinceaux. Qui sont ces mecs? On va changer d'arme, c'est pas bien. J'aime pas ce liquidateur là. Si on prend un liquidateur, on prend un vrai. Il est vrai, c'est ça. On va regarder hein, s'il n'y a pas autre chose qu'on peut pas tester, mais... On va partir là-dessus. On va mettre des trucs pour les secondaires. Et on va partir comme ça. J'ai pas envie de perdre pendant une heure. Ça fait déjà une demi-heure qu'on fait quasiment que de perdre, donc ça suffit quoi. Maintenant j'ai envie de jouer sérieusement. Je sais pas si Junior c'est la bonne idée, mais. Enfin, sur le plan de Shomako, ça devrait aller. Sur Sen Siren, ça va encore. Plateforme polymorphe, je sais pas, parce que c'est quand même une map très grande. Très ouverte, trop ouverte pour cette arme, mais on verra. Ah là là. Comment est calculé le nombre de coquillages qu'on obtient en splatfest? Ça dépend de ton grade. Là, je suis spécialiste en salsa, par exemple. Du coup, ça dépend de ton grade et si tu gagnes ou si tu fais partie de l'équipe qui perd. Après, c'est des grilles. Genre le maximum, si t'as le grade max et que t'es dans l'équipe gagnante, c'est 24, je crois. Sinon, c'est un peu moins, etc. Bon, on fonce. On va essayer, en tout cas.
What? What? En fait, ils ont déjà une armure d'encre. Bah moi aussi. Merde, j'allais dire moi aussi, mais en fait pas du tout. Parce qu'ils étaient deux. Forcément. On va se TP là. On va monter. Alors, faut faire gaffe à un truc. C'est que quand on est trop proche d'une... d'un geyser, si un mec lance une bombe dedans, ça fait le même effet qu'avec un mur d'encre. Hein. Genre... ouais, ça explose tout de suite, quoi. Donc c'est pas... Il est où? Ah! Mais non! Oh là là! Tuez les balises! Tuez les balises! Aïe 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 aïe, j'arrive à rien, hein, c'est dingue. Je t'ai mis un rouleau presque. Hein. C'est cette map hein, avec le junior, c'est infernal. On n'a pas de portée, on n'arrive à rien. En plus, les mecs avec moi, ils sont pas bons. Il y a du lag. Ah, c'est infernal. C'est vraiment infernal. C'est beaucoup mieux le Splatfest à domicile. Hein, donc. Vous voyez le lag qu'il y a? Bien fait. Oh. Bon, j'abandonne, hein. Je vais changer d'arme. Je vais rejouer rouleau, c'était bien rouleau. Parce que rouleau, t'as peu de distance, t'as peu de portée, mais t'as quand même les bombes curling qui peuvent te permettre d'aller vite et loin. Alors que là, honnêtement... Enfin, si ça tombe sur une autre map, ça va, mais cette map-là, c'est infernal, quoi. Donc je vais rejouer rouleau, tant pis. J'aurais dû écouter mon instinct et ne pas changer d'arme dès le début. On change, hop. Et on se remet rouleau. Avec ça, c'est pas mal. Et ça, ça peut être bien. Un peu de vitesse. Oh là là, c'est à croire que y a personne en guacamole là.
Ok. Forcément, on n'est plus sur la map. Tant pis. Oh là là. Je vais trop vite pour ma... ma bombe. Ah ouais, bon ça, pour le coup... prévisible, prévisible ces petits. Il n'y a pas de trop longue portée en phase, donc ça va encore. Je ne suis plus là, je ne suis plus là, t'inquiète. C'était une blague, en fait j'étais là. Eh oh! Forcément ils ont le centre et ils sont en train de venir chez nous, bah oui, parce que dans cette histoire il n'y a que moi qui bosse ici. Eh ouais, bon là, ça va être complexe. Bon, j'en ai eu un peu par chance, mais. Ok, on a quand même un avantage. Faut maintenant le garder. On va aller à droite. Wow! Non mais où? Il se croit où lui? Saltimbanque. Il se barre. Ah. Ouf. Je serais lui, j'aurais pas aimé. Après, je dis ça, je dis rien, quoi. Je serais elle, j'aurais pas aimé non plus, mais... c'est un petit peu plus classique, comme... Ah, dommage. Ouh, si, en fait... Ah, non. Alors, c'est pas ancré à droite, mais est-ce que... Ouais, on va y aller quand même, hein, histoire de... Voilà. On aime le travail bien fait. Mais en même temps, ils reprennent chez nous en même temps, donc... tant pis, on va... Merde, on va faire de la merde. Bon, et bah écoutez, on a fait notre mieux, hein. Bon, on va pas gagner, mais si on est avec des gens pas bons, bah on est avec des gens pas bons, quoi. Puis tant pis. Tant pis, tant pis. J'ai pas regardé le score, mais... mais bon. Alors, on continue. Killer 42, ça nous laisse encore une petite vingtaine de minutes. Ah, x10. Allez. On va faire notre mieux encore pour perdre. En même temps, on a un power tout pourri là, un power d'équipe. Honnêtement, je comprends pas parce que moi j'avais quoi? J'avais 1900 au départ. Comment on atteint ce genre de somme?
Meurs, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Ce match-là, c'est un plus 10, c'est un fois 10. Je veux le gagner. J'ai pas besoin d'arme spéciale, moi. Oula, je suis rayé. De l'encre, s'il te plaît, de l'encre. Ok. Ah oh non, ça l'a pas tué. Oh, dommage. Aïe, aïe, aïe. J'aurais bien voulu. Honnêtement, si on perd là, ce match-là, je rage. Hein. Aïe, 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 aïe. Oh là là, j'ai eu chaud. Hein. J'ai eu très très chaud. Oh là là, là je fais n'importe quoi. Je me jette trop dans le tas. Pour le coup, je pense trop qu'ils sont pas bons et du coup, je me concentre pas assez. Ah là, ce truc là, à chaque fois je le rate. Parce que j'essaie de tirer trop tôt. Là j'ai raté mon coup. Mais, dis donc petit. Tu te crois où là? Bon, et bah écoutez. On gagne, voilà. Au moins, on pourra pas dire que j'ai pas participé, j'ai pas fait mon... j'ai fait le travail, je pense. Yes. Une belle victoire. x10, qui rattrape toutes les défaites qu'on a faites jusque-là. Est-ce qu'il y aura un best of live? Je ne sais pas. Vous savez que vous êtes libre de faire vos propres best of live avec le hashtag best of evil pour participer au prochain. Pour l'instant, il y a zéro participation. Mais bon, ce sont des choses qui prennent du temps, donc j'imagine que c'est normal. Perdre, hein. Je vous le dis d'ores et déjà. Je l'ai vu dans les cartes. Ah, il a la portée, je me barre. Bon.
Dommage. Ah, remarque, je suis peut-être médisant, hein, parce que là, on est bien parti. Mais le power est meilleur aussi, donc c'est normal que les gens avec moi soient un peu moins désemparés. Faut bien que j'ancre parce que en vrai, on n'a aucune arme pour ancrer chez nous, quand vous regardez notre compo. Donc, faut bien que quelqu'un le fasse. Mais maintenant que j'ai mon spécial. Je fonce. Oh. Aïe 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 aïe. Ma def. Les balises qui se tuent pas, enfin que si, qui se cassent pas en une seule fois. Ça c'est bien pratique maintenant. Faut qu'on fasse gaffe parce que ouais, y'a un mec là. Non, tu ne partiras pas. Toi non plus. Mais, oh non. C'est scandaleux. What? Eh oui, les roulades, c'est pratique. Bon, on déclenche parce que là j'en ai marre d'avoir plus d'encre. Hop là. C'est gratos. Il y en a un qui a déco. Il a peut-être hash kit. Me faire tuer là. Ouais. Bon, eh bien écoutez, on s'en est bien sorti. C'était pas x10, mais on a fait ce qu'on pouvait. J'ai le soleil dans les yeux, donc je vais pousser ça. Voilà. Bon, là, au moins, voilà, on n'était pas. Il n'y avait pas un mec qui était meilleur que les autres dans mon équipe. Là, c'est du travail d'équipe. Par contre, en face, il était un peu démuni, mais. Chacun son tour. Hein. Bon, encore un ou deux matchs avant d'arrêter ce live. Peut-être encore un, hein, un dernier. Ce serait bien que ce soit plateforme polymorphe. Mais bon. Il ne doit faire que des Splatfest à plateforme polymorphe en fait. Parce que les autres on les connaît les maps, hein. En vrai. Ah bon bah ce sera pas plateforme polymorphe. Donc faudra attendre. Eh bien la semaine prochaine, week-end prochain pour y rejouer.
J'entends rien en face. Il était trop loin pour que je l'entende. Ouah! Ah, je rate mon coup! Ah là, je me suis fait def. On va passer par là, j'ai l'impression qu'il y a personne. Ah bah, c'était une mauvaise impression! Dommage. Ils m'ont peut-être vu passer par là. Bon, il y a quelqu'un chez nous. Ah, il est mort, ça va. Pourquoi tout le monde dit excellent là? On est en train de perdre. Il y avait un jouisateur. What? Je suis en train de faire quoi là? Je me suis cogné à un truc mais je sais pas à quoi. Bizarre. Je serais lui, j'aurais pas aimé à nouveau, mais... Bon, plus de pitié là. Hein. Bon. Allez, viens. Viens. Ok. J'ai eu chaud, hein, parce que j'ai failli me faire death. Désolé, mais c'est impossible entre nous. Allez, venez, venez. Venez, je vous attends. Aïe, aïe, aïe. Je pensais pas qu'il allait m'avoir. J'avais l'impression qu'il visait plus haut que moi, du coup, je suis parti du principe que ça allait aller, mais... En vrai, on va perdre encore. Hein. Ouais. Ah là là, même pas foutu de tuer en un coup. Bon bah écoutez, dommage. Ah on gagne peut-être, oh, pas sûr. On verra. Attention, on gagne. Bon. Eh bien, on va s'arrêter et c'est pas la peine de spammer, de changer d'arme dans le chat. Si vous écoutez pas ce que je dis et pourquoi je reste à cette arme-là, je ne peux rien pour vous. Donc on va s'arrêter là. Je vais mettre... le live en pause quelques minutes, le temps de refaire une annonce Discord, Twitter, etc. De changer la miniature du live. Et puis, je vous retrouve d'ici 15h. À nouveau, même endroit, ne bougez pas. Et puis, bah, à tout de suite.